It's a bad shot. It's a bad shot. Yo tout le monde, c'est Paf, j'espère que vous allez bien, car on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peut-être la dernière vidéo sur NBA 2K19. Et les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un tournoi. Le dernier tournoi, j'ai pas fait beaucoup de tournois sur NBA 2K cette année. Et j'étais invité par eSport Management à faire ce petit tournoi, les amis. Pour cette vidéo qui est même sponsorisée. Donc je les remercie énormément, ça fait super plaisir. Quand tu sais que je suis en train de gérer mon déménagement et quand tu sais que je suis en train de gérer des projets de ouf, abonne-toi et active la notif. C'est juste un conseil. On se retrouve pour un tournoi, les amis, de 1 contre 1. Donc tu prends ton équipe contre notre équipe. J'espère que ça va vous plaire, ça devrait vous plaire. N'hésite pas à lâcher le petit like des familles, partage la vidéo à tes potes. Surtout abonne-toi, c'est plus important, active la notif comme je l'ai dit. Pense à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Après toi j'irai, parce que j'arrête pas de le dire hein. Mais tu vas regretter si tu me follow pas sur Insta. Allez, je vous souhaite un beau visionnage l'équipe pour le dernier tournoi sur NBA 2K19. Sur la tête d'Oham, si je gagne le tournoi, je vous jure, je vous donne tout. Maintenant, je suis désolé, les gars, hein, mais il n'y a pas beaucoup de chance. Je suis pas un joueur de 1 contre 1. La dernière fois que j'ai joué en 1 contre 1, c'est pour les parts sauvelets. Voilà, donc il faudrait que je m'entraîne un peu plus en 1 contre 1, en vrai. Parce que je suis là grâce à eSport Manage, franchement, que je remercie. Mais franchement, s'il y en a d'autres dans le futur, why not? Et si on m'invite et tout, vas-y, why not? Je m'entraîne et je casse des culs, je vous jure. Mais sur la tête de ma mère, si je gagne, je vous offre tout. Oh, 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 début du match, je vais jouer contre Braxo. Mais gros, mais Braxo, j'ai déjà vu ce nom sur Twitter quelque part. Vas-y, gros, ça me saoule. Déjà dans le chat, ça me dit claque. Tu vas prendre une claque. Déclare forfait, on me dit. Je suis pas un joueur d'un contre un, donc je vous avoue que ça va être compliqué. Mais voilà, bon, on va essayer déjà pas partir en étant négatif. Mais écoutez, je vais me faire plaisir, je pense. Je vais essayer de m'amuser. Et voilà, soyez pas trop exigeants, juste encouragez-moi. Et franchement, si ça vous plaît. Si je suis invité à d'autres events comme ça, franchement, why not. En fait, j'ai fait 3-4 matchs. J'ai testé Milwaukee, j'ai pas trop aimé. J'ai testé Houston. Et là, j'ai testé avec Fila, et j'aime bien. C'est la seule équipe avec laquelle je sais à peu près jouer. Si on banne 3 équipes, on banne Warriors, Rocket. En vrai, on banne quelle équipe? Philadelphie banne ça. Mais t'es un malade, wesh! C'est la seule équipe que je sais jouer. Je sais même pas qui jouer si je prends pas Fila. Je l'ai pas, je suis dans la merde, frère. 12 seconds later. Moi je bats les Raptors, Bucks, Sixers. Vas-y, ban les Sixers, gros, je suis dans la merde. Bon bah, gros. Tout le monde me dit de prendre OKC. Ils bannent pas les Rockets, donc en vrai j'hésite entre Rockets aussi, tu vois. Je sais pas ce que ça va donner. Mais vas-y, on va tester. Hein. En vrai, je pense que ça peut être équilibré. Il va juste avoir un peu plus de shoot que moi. C'est vraiment ce qui me fait peur de mon équipe en fait. C'est que j'ai pas de shoot. Allez, vas-y, fais sans changement, tout ça. Non, non, j'ai jamais joué un contre un. Non, non, non. Vas-y là, arrête de me vénère là. Joue, wesh. Vas-y, je me gagne, je gagne. Oh le bâtard. It's a bad shot. It's a bad shot. Mais wesh. Concours de briques. Oh ben wesh. Mais non mais. Bang. Il va y avoir un score de poussin. Chaque panier va compter triple. À mort. À mort. Jamais, gros. Bon, pour moi, je mène 7-6. Mais on voit que. Ça se voit que tous les deux, on joue pas beaucoup en 1 contre 1. Hein. Allez, il sait même pas faire une passe. Ah ouais. N'importe quoi, gros. Il rentre tout, gros. Ouais, c'est un concours de maçon, gros. Concours de maçonnerie, je veux dire.
Ouais, Robertson qui est toujours tout seul, gros, mais. Sachant que c'est la seule équipe que l'autre sait jouer, j'aurais pas fait. Bah après, il avait le droit, là. C'est... Oh, mais ouais, mais gros. Je pars trop bas, en même temps il pue la merde les gars avec moi. Tu te fais niquer à cause de ton banc? Non, moi j'ai l'impression que je me fais niquer à cause des passes de merde. J'essaie de faire des passes qui passent pas. Noël il pue la merde. Regarde, il est encore tout seul, gros, mais. Il est encore tout seul, mais je peux pas lui donner, gros. Mais pourquoi il me rend Felton sur la tête de WAM? Avec Philadelphie, je vais l'éclater, gros, je te jure. Fin du tournoi, on aura fait un match, on aura perdu. Après, je pense que le Thunder, c'est pas une équipe nulle, tu peux, si tu sais jouer avec, tu peux faire des trucs de ouf. On a vu Paul George à la fin, il a enchaîné quelques 3. Enfin, il n'y a pas de secret, en gros, tu vois, enfin, je veux dire, un mec qui a jamais touché à la manette pour jouer avec une équipe, forcément, les premiers matchs, il va pas de bon, tu vois. J'espère aussi en tout cas que dans le futur ils vont continuer de faire ce genre de tournoi. Moi je suis chaud pour en faire. En tout cas voilà, c'est bien qu'ils aient fait ce genre d'event en fin de 2K19. Je suis vraiment content d'avoir été invité à cet event, même si c'est pas bien passé pour moi. Merci Sport Manage de m'avoir invité à cet event. Et merci d'avoir organisé tout ça, c'est bon. J'espère qu'on en fera. J'espère qu'on en fera. Mais qu'on aura plus de chance cette fois-ci. Voilà. Faut juste croiser les doigts. Oh putain.